techno. Tac, tac, tac. On dirait que j'ai glissé. Oh, ils ont refait là. Ok, bienvenue. Salut les potos. Aujourd'hui, ce que je vous propose, du coup, petite présentation d'une moto. Donc merci à la personne, enfin merci à la personne qui va sûrement voir la vidéo après, n'importe. Merci à toi, c'est super cool, voilà, que tu as joué le jeu, voilà, que tu viens me présenter ta moto, avoir même peut-être l'essayer, enfin on verra, je n'oblige pas, voilà, on regarde un petit peu, tu vas m'expliquer, il va m'expliquer tout ce qu'il y a sur sa moto, tout ça. Est-ce qu'il est déjà là? Normalement j'ai rendez-vous là. Je crois que c'est là. Il va m'expliquer un petit peu sa moto, pourquoi, les prix, comment. On part sur une Triumph 1002. Que... où est-il? Il est pas là. On va se poser peut-être par là, je sais pas. Mais on va regarder tout ça, donc voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Et puis d'activer bien évidemment la cloche, comme ça tu verras les autres vidéos. Et puis on va lancer ça direct. Peut-être il est là, peut-être il est là-bas, peut-être il est là-bas, peut-être il est là-bas. Oh, police. Cylindre, Speed Twin 1200, donc elle se présente un petit peu comme ça, voilà. Franchement, après niveau couleur et tout ça, je trouve ça pire beau, pire belle plutôt, voilà. Du coup, tu peux dire par rapport à cette moto, genre? Bah, que c'est un bicylindre, et okay. Donc ça fait 97 chevaux, on est sur un 117 Nm de couple. Ouais. Donc après niveau accessoires, si je peux en parler, donc j'ai mis du Hollins derrière. Donc, c'est... Ah, c'est ça. Hein. Voilà. Okay. Donc voilà. Après j'ai fait changer la ligne. Donc ça c'est pas d'origine? Non, c'est pas d'origine. Okay, donc là c'est sur une marque américaine. C'est du Vans. Après un pot comme ça, ça vaut. Donc là. Donc là on est aux alentours de 1000 francs. Ouais. Mais c'est pas la ligne, hein, c'est juste le... C'est juste... Ouais, j'ai dit la ligne, okay. Mais c'est pas la ligne, ouais. Après, t'as modifié quoi dessus, par exemple? Alors, par exemple, là, il y a les embouts de bouchon, okay. Cache bouchon, si tu veux. Bouchon, ouais. Ouais. Après, j'ai fait changer ici ça. Ça. Voilà. Juste ça? Ouais, parce qu'à la base, ça est noir, tu vois, donc là, j'ai mis, ça fait un petit côté un peu plus cool. Ok. Après, les clignots. Ouais, les clignots sont beaux. Ouais, ouais. Clignots ronds, lead. Ça, c'est plutôt sympatoche. Et arrière aussi. Ouais. Clignot arrière. Ah ouais, du coup, donc c'est à les la mêmes. Base, là, j'ai... t'as le feu stop. Ah ouais, là, ok. T'as le feu stop qui est inclus dans qui les. Qui inclus dans les trucs, ok. Dans les clignots. Après, combien? Ouais, vas-y. Donc après, ouais, t'as les poignées chauffants aussi. Donc, ouais, là, donc les options, on va partir sur les options. Ouais. Vas-y, montre-moi un petit peu. Explique. Donc là, t'as juste appuyé là et puis ça chauffe au bout de 30 secondes, tu vois. Ok, cool, ouais, donc là, le petit bouton. Ça, c'est une option, hein, ouais, voilà. Ça, dit. Là, t'as 300 balles à peu près. Ah, bah putain. ça, c'est d'origine? Ouais, c'est d'origine. Ouais, ouais, ils sont beaux. Ouais, c'est plutôt sympa. Ok, après, niveau compteur, genre, tu peux mettre en mode. Attends, on voit pas que le soleil, voilà. Vas-y, même. Donc là, t'as plusieurs modes okay. qui seront disponibles ici.
Donc là, tu vois, là, il est directement sur le mode sport, mais tu peux le mettre sur le mode rain, sur le mode road. Ok. Et puis bah, le sport, quand t'es un peu plus chaud. Et sport, ça change quoi? Il y a quoi de... Bah, là, t'es sur le full moteur, en fait. T'es vraiment sur toute la puissance. Ok. Ça, c'est plutôt cool, si tu veux t'amuser. Ok, ok. Puis après, niveau option, elle a donc le traction control. Ok. Et l'ABS de série. Ouais, ABS direct. De série, okay. Ouais. Et puis voilà quoi. Par exemple, le point négatif que tu pourrais... Positif et négatif sur la moto, par exemple. Bah, si quelqu'un veut l'acheter maintenant, demain, je sais pas. Positif, c'est bien pour les gens de petite taille comme moi. Ok. Donc là, je fais 1m70, donc j'ai les deux pieds au sol, ça c'est cool. Ouais. Très maniable. Donc là, on est à 197 kg. Ok, ok. Donc c'est plutôt léger. Ah ouais, ça va, ouais. Ouais. Et puis... Niveau freinage, tu m'avais dit. Ouais, freinage arrière, donc c'est un peu moyen. Après, tu verras quand tu l'essaieras, mais. Ouais, ouais. Mais on est sur un simple disque. Ouais, ouais. Tandis que devant, on est sur du Brembo double disque. Ok. C'est plutôt sympa. Mais bon, sur le style de moto, je pense que ça suffit largement. D'accord. Et après, quoi d'autre quand t'es en mode sport, des fois, elle met 2-3 à coup, mais. Mais bon, c'est que du détail. Ouais, c'est du détail. Ouais, c'est que du détail. Après bon, c'est vraiment ce qui me correspond comme moto, tu vois. Okay. Et toi, t'as pris cette moto par rapport à ça, bah, déjà. Ouais, c'est que ça un peu passe-partout, un peu. Bah, après le style, j'aime vraiment bien. C'est cool, tu vois. Moi, j'aime bien. Ça. Ouais. Et puis après niveau prix en fourchette, par exemple, je sais pas, demain, je vais m'en acheter une. Demain, faut que tu comptes en magasin. Fourchette, hein. Fourchette, on est entre 12 et 13 900. Ouais, à peu près. Ouais. Ok. Après, Et puis niveau entretien, bah chez Triumph c'est vraiment cool parce que t'as pas beaucoup de frais d'entretien où ils sont très minimes au niveau du prix. Ok. Donc là par exemple prochaine visite c'est 16 000 kills. Ok. Ça c'est tous les 16 000. À peu près. Avec celle-là à peu près. À peu près. Après bon t'as la première visite qui est à 2 000 mais après c'est à 16 000 tu vois. Et genre niveau pièces ça coûte cher? Non. Moi je m'y connais. J'ai pas de. Triumph c'est pas très cher. Okay. Ah, j'ai oublié de parler de la pneumatique aussi. Ok. On est sur du Diablo Rosso 3. Ok. Donc là, Pirelli, bien sûr. Ouais, ouais. Donc ça, c'est plutôt sympatoche aussi. Donc ça tient bien la route, surtout quand il pleut là. C'est, il y a un bon grip dessus, tu vois. Ah ouais. Puis voilà quoi. Cool. On va essayer maintenant. Ok, alors. Comment se présente la bait? Mais qui, franchement. Là, je suis bien posé. C'est un petit peu comme la MT. Je suis bien. Rétro, nickel. On allume. Ok. Première là. Ah, peut-être, ouais. Comme il l'avait dit, pour tourner, ça braque pas beaucoup. Voilà. C'est parti mon kiki. Ah ouais, elle tétouille bien. Franchement, bon, premier avis, je suis jamais monté dessus, mais je kiffe déjà parce que je suis bien posé. Simple à conduire un petit peu. Oui, mais putain, ça tire, mais. Putain, ça. Bon, c'est une bicylindre aussi, donc ça envoie bien. Franchement. Et ça. C'est bizarre de te voir avec. Ouais, t'as... Ça pousse bien, hein? Petit clignot, tac tac tac. On dirait que j'ai glissé. Ah ouais, ok. Donc là, on est bien. Après, ouais, pour serrer les jambes, c'est tout petit, hein, le réservoir un petit peu. C'est pas comme la MT où ça prend vraiment la largeur un peu. On va mettre un petit peu. Putain, ça fait un bon bruit, mec. Mais ouais, moi je kiffe, franchement, voilà. Si y a des personnes un petit peu qui hésitent, franchement, moi je kifferais avoir une moto comme ça. Ça passerait, tu vois. En fait, c'est une moto, voilà. Moi je pense que t'as beaucoup de kilomètres à faire ou comme ça, c'est pas gênant. C'est, voilà, c'est une moto qui est pas gênante à faire. Tu me dis maintenant de faire, je sais pas, 1h30 de route, pas de soucis, je pense. Voilà. Un peu passe-partout. Ouais, franchement, je kiffe. Attends, il m'a expliqué un truc, mode... Là, on est en mode sport, ok. Et si maintenant, je change... road sport... On va dire comme ça.
maintenant c'est comme ça que je la vois. Quand tu la vois comme ça, elle a l'air de rien, mais spacieux aux apparences. Voilà, ça c'est un petit peu la morale de la moto. Ouais, c'est cool. Ok. Hein? Ouais, c'est cool, ouais. Je kiffe. Regarde, ça a l'air de rien, je vous jure. Voilà les potos, on arrive sur la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si par exemple tu veux l'acheter ou voilà, je t'ai renseigné. Merci à la personne qui est derrière moi. Merci mon pote. Franchement, il a géré. Voilà, il m'a prêté un peu la moto pour faire cette vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker bien évidemment, à partager, à activer la cloche. Blablabla, on connaît le bordel les gars. Et puis à la prochaine.